Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la collection de Big Velo. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'une console dont j'ai déjà traité la Mega Drive, avec encore une fois un jeu de sport. Cette fois, on passe du côté de chez EA avec NHL 96, donc sorti sur Mega Drive. Il y a également eu des versions sur à peu près toutes les autres consoles du moment. Pourquoi ce NHL 96, donc sorti en 95 par EA Sports, qui est semble logique avec la licence officielle des clubs du coup de la NHL, donc États-Unis et Canada. Donc pourquoi cet épisode en particulier? Tout simplement, bon, à la base déjà, je suis pas un grand fan de hockey. Bon, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui me passionne, j'ai rien contre, mais j'ai rien pour non plus. Donc voilà, à la base je suis pas un grand fan de hockey, mais quand je me suis racheté une Mega Drive avec mon argent, c'est-à-dire à peu près en 2007, ouais, 2007-2008, 2008 grand maxi, j'avais assez peu de jeux avec. Bon voilà, je regardais pas spécialement sur internet, et du coup j'allais pas non plus énormément de magasins spécialisés parce que j'étais encore étudiant et j'avais pas énormément d'argent. Eh bien, il se trouve que celui-ci, je l'ai trouvé en brocante, comme pas mal de jeux Mega Drive que j'ai, hein, pour vous le cacher. Et que du coup, ben, celui-ci m'a spécialement marqué parce que c'était un des rares jeux que j'avais. Donc, si je voulais changer un petit peu de jeu, ben, de temps en temps, il fallait repasser par celui-ci. Alors, écoutez, ce jeu, c'est un jeu de hockey, je vous apprends rien. C'est pas simple à jouer au début, hein, parce que qui dit EA dit quand même un minimum de simulation. Donc au début, ben, je me prenais pas des raclées, mais voilà, je perdais 3, 4, 5-0. J'avais du mal à marquer, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Puis après, ben, forcément, on joue, et puis on arrive à comprendre un petit peu le skill pour marquer. Après, il y a une technique qui permet de marquer presque une fois sur deux, allez, une fois sur trois, on va dire. S'il n'y a pas trop de défenseurs non plus devant la cage, hein, mais si par exemple on est sur un face-à-face, il y a un moyen de marquer presque une fois sur deux. Ce qui était très marrant dans ce jeu, outre le fait, voilà, de prendre une équipe et de faire une saison entière avec les playoffs et tout, c'était surtout la possibilité de pouvoir se taper, quoi. Alors du coup, forcément, quand j'étais en défense, j'utilisais beaucoup les coups de crosse. Bon, voilà, souvent j'étais en infériorité numérique, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, à force de taper toujours sur le même gars, eh ben, il s'énervait. Quand il croisait l'autre gars qui l'avait tapé pendant un petit moment, eh ben, le jeu s'arrêtait et on pouvait se taper. Alors, soit on se tapait pas et on se tapait que 2 minutes chacun d'exclusion temporaire. Soit on lâchait les crosses et les gants, et puis on se tapait vraiment, avec en plus chaque bouton de la manette qui avait une utilisation différente dans le combat, c'est quand même pour vous dire à quel point ils ont poussé le vice, quoi. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu marrant, quoi, de se dire on joue à un jeu de sport, et puis au bout d'un moment, bah, on se fout sur la gueule. Je veux pas dire que c'est génial, parce que c'est pas forcément bien de se taper, mais c'est assez rigolo, puis de temps en temps, voilà, ça change un petit peu du hockey, surtout quand on n'est pas un puriste, quoi. Au passage aussi, petite note à propos de cette version. Alors, je n'ai pas poussé le vice à aller vérifier jusqu'aux autres versions des NHL si c'était le cas. Mais quand on fait une saison régulière et qu'on termine les playoffs en étant vainqueur, je crois que ça marche pour la saison régulière et quand on fait juste les playoffs aussi. Et ben en fait, quand on termine le dernier match et qu'on gagne. Ben, le jeu plante en fait. On arrive sur un écran noir. Il n'y a pas d'écran de fin, il n'y a pas d'écran de victoire. On peut juste faire reset pour revenir au menu principal. C'est super. Enfin, c'est super. Oui et non, ça fait bien la rage. Et ça, c'est quelle que soit l'équipe, hein. Donc voilà, c'est un peu dommage de ne pas avoir poussé le vice jusqu'à terminer le jeu à 100% chez Electronic Arts. Sinon, bah forcément, hein, comme je disais, il y a aussi d'autres versions. Là, j'en ai pas sous la main.
sur d'autres consoles, on va dire. Mais ouais, sachez que oui, même si au niveau simulation, les deux se valent, au niveau graphisme et animation un peu cinématique, c'est avec la version Super Nintendo un petit peu au-dessus, hein, je vais pas le cacher. Sinon, pour terminer, ben c'est pas forcément le seul jeu NHL qui est sorti sur Mega Drive, il y en a eu quelques autres en plus. Alors, si on reste sur du NHL pur, on a eu donc NHL Hockey 94. Il y a eu aussi donc, le 95. Donc, le 96 que j'ai présenté. Le 97. Voilà. Bon, après, honnêtement, entre ces versions-là, bon, si la version 94 est un poil moins jolie que les autres, mais sinon, après, ça reste de la mise à jour. On a aussi NHL PA Hockey 93, toujours chez Electronic Arts. Et j'ai également aussi, toujours chez Electronic Arts et du hockey, EA Hockey. Et aussi un EA Sport Double Header, donc avec le EA Hockey que je viens de vous présenter, et un John Madden Football. Les deux dans la même cartouche avec la même notice. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao!